Go! Ok, bonjour les amis! Ça marche! Je viens de tomber! Alors, on est jeudi matin, le 25 septembre, il est 10h23. Nous sommes présentement sur l'autoroute 20. Ben, nous, je parle évidemment avec Jessica, là. Je suis avec Jessica, évidemment. Et avec Samuel. Et oui, aujourd'hui, nous sommes avec Samuel. Vous allez le voir éventuellement dans la journée, il va se déchaîner, là. Ça va être vraiment chouette. Vous allez voir. Sam, vous avez dit certain sur le dernier vlog de Jessica qui avait l'air super drôle et tout. Et en effet, les amis, vous allez tomber en amour avec. Tout comme nous, on est en amour avec. Ah, ça, mon thème donc. On t'aime. Bref. Fait que là, c'est ça. Il est jeudi matin, il est 10h23. Ce matin, on est supposé avoir un cours de photo, comme à tous les jeudis matin. Mais on n'en a pas, parce que la prof a levé le cours, parce qu'elle veut qu'on aille voir le World Press Photo au Vieux-Port de Montréal. Donc, c'est là qu'on se dirige présentement. Ok. Comme ça, bon, si je suis cadré. Ouais. Ouais. Attends, je vais regarder dans le miroir, la main. Allô, tout le monde! C'est Samuel, c'est la caméra aujourd'hui. Moi, ben, je conduis, hein, fait que je vlog vraiment. Puis Sam est un petit peu gêné de vlogger parce que c'est la première fois qu'il vlog. Yay! Donc, Moi, je vais prendre le lead du vidéo aujourd'hui parce qu'on va donner une pause à Jessica qui est en congé de maternité pour l'occasion. Puis, ben, Marie-Kim, on va les pas la faire parler. Puis Marie-Kim, on va pas la laisser parler parce que, ben, on est tanné. Hey! Moi, j'ai un jeu à vous proposer parce qu'on est en route, comme Marie-Kim vous l'avait dit. On s'en va au WordPress Photo. Yeah. Puis, j'avais une idée de jeu. Je me disais, je vais l'essayer. Puis là, vous allez tellement aimer ça que vous allez l'essayer après. Puis là, il y a quelqu'un qui me coupe avec plein de camions en avant. Yo, sérieux, j'aime pas quand on arrête ça. Donc, ah, mais c'est un peu blanc. Avec plein de trous, là. Donc, je vais vous expliquer mon jeu. Ils vont le découvrir en même temps que vous parce qu'ils n'ont aucune espèce d'idée qu'ils m'ont vu sortir. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils m'ont vu sortir des crayons là. Donc, dans le fond, le jeu, comment ça va fonctionner? On va être les trois. On est trois équipes différentes. Donc, on va être toutes l'un contre l'autre. Tu vas pouvoir jouer en conduisant aussi. Ah ouais? C'est un jeu de questions. Il y a des cartes, c'est un jeu qui vient du Dollarama. Oh malade! J'ai le plugé. Peut-être que Jessica va se faire commencer par le Dollarama éventuellement. Oh yeah! Oh, donc, puis elle va vous faire des présentations de produits. Le jeu, comment ça va fonctionner? J'ai les cartes avec des questions, puis je ne verrai pas les réponses moi non plus. Je vais poser une question. C'est la première personne qui crie son nom, puis qui a la bonne réponse. Donc, par exemple, nommez-moi un personnage qui joue dans Unité 9, exemple. Il est tremblé! Oui, mais là, faut que tu cries ton nom à toi. Jessica! C'est ça! Et là, on dit, ok, vas-y, Jess, c'est toi qui as gagné en premier. Là, tu dis la réponse. Jessica a le droit de prendre un crayon de couleur et de faire une ligne où elle veut sur le corps d'une autre personne, d'un des autres concurrents. Et le but. Oui, mais je vais le faire pour toi, au pire. Et le but, c'est, faut pas perdre. Pour perdre, c'est pour que tu te ramasses avec toutes les traits de couleur sur toi. Mais là, j'en veux pas dans ma face. Non, mais c'est ça, tu peux être plus chien. Mais mettons, je dis, ok, ben je vais lui mettre genre sur sa cuisse. Soir, hein? Oui, mais j'ai apporté des lingettes nettoyantes. Ah, que t'es prévoyant! J'ai tout planifié. Exact. À tout. Donc, dans le fond, le but, c'est de ne pas avoir toutes les couleurs sur son corps. Ok. On est prêt, j'ai sorti les cartes et les crayons. Il y a 9 couleurs. Donc, il va falloir ne pas avoir les 9 couleurs sur. Okay. Est-ce que vous êtes prêts? Yes! Et là, je tiens à dire que je ne vois pas les réponses malgré le fait que j'ai les cartes, dans les mains. C'est mieux. OK. Quelle ville du Québec accueille... Quelle ville du Québec accueille le Mondial des Cultures? C'est quoi le Mondial des Cultures? Je sais même pas c'est quoi. Marie-Kim! Quoi, Marie-Kim? Québec! Je suis sûre que c'est ça. Drummondville! Drummondville! Ok. Qui a dessiné les vélos Bixi offerts en libre service à Montréal? Je suis sûre. Marie-Kim! Bixi Man! Et c'est Michel Dallaire. C'est ça que je disais, son surnom c'est Bixi. C'est pas personne connue, ça. Vas-y. Est-ce que ça tourne encore? C'est déjà aimé. Oui, c'est bon, là, je suis désolé. Mais déjà, là, déjà, Vieux-Montréal. On continue, on retrouve. Mais... Oui, vas-y. Quel poète et homme politique québécois a écrit Tango de Montréal? Je connais pas la politique. Moi non plus, mais j'ai vu la réponse de l'autre côté, fait qu'il faut que je vous la dise. Ah! C'est Gérald Godin! Ah ben! Gérald de Godin! C'est notre sujet! Yeah! Mais c'est vraiment pas d'aller pas, là, sérieux. C'est vraiment pas. Tu peux y aller avec la prochaine. Ok. L'autre qui bande, c'est pas notre sujet. Non, mais c'est pas. Hey, GG, c'est le fun. On rencontre des gens merveilleux. Ah, les amis. Ok.
on arrive au Vieux Montréal. Oui. Fait que ben on va vous parler sûrement dedans. Oui! Je suis capable de vlogger parce que les gens vont peut-être pleurer parce que c'est des photos tristes. Et là pour l'instant. Vraiment trop près de ta face. Oh pardon. Pardon. Je voulais que ça soit en HD. Donc, et là, pour l'instant, donc moi, j'ai un bonhomme sourire bleu, j'ai la couleur bleue. Moi, j'ai rose. Oui. Rose. Et Jessica a un corps. Et Jessica, Marie-Kim, pardon. Ça m'arrive de mélanger les noms. Marie-Kim et... a un cœur mauve sur le sein. C'est ça. C'est Marie-Kim, c'est Sam qui vlogue. Qui là, on est arrivé là. C'est Marie-Kim, bon secours. Oui. Donc, il y a comme le image là-bas. Maintenant, on va rentrer. Fait que je pense pas qu'on peut vraiment filmer. Donc, ouais, on va se préparer après. Ok, c'est tout, bye. 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 Allô? Allô? Hola. Hola, voilà, peuple. Donc, on a fini l'exposition. Puis finalement, ça a comme vraiment pas pris. Ça a pris le temps que c'était censé. Disons, le prof a dit comme 2 heures. Puis ça nous a pris comme 20 minutes. On va dire 20 minutes. Moi, donc, c'est peut-être plus que ouais. Mais là, il est juste 11h30, puis. Ben, moi, Marie-Kim, on travaille à 5, fait qu'on a full de temps. Si jamais vous nous avez vus, parce que j'avais connu Jessica, dites-nous. Dites-nous en commentaire si vous nous avez vus dans les. Oui, parce que tantôt, j'ai vu une fille qui a pris son amie, puis qui a dit: hey, je la connais. Ouais, sérieux, si vous me voyez, venez me voir, là. Sérieux, j'aime vraiment mieux ça que vous me regardez bizarrement, là, puis que vous riez dans mon dos, là. Et moi et Marie-Kim Cloutier, ben, on va vous regarder en riant. Ouais. Donc, nous en allons prendre des photos sur les boules. Sans et là, nous ne parlons pas des grosses boules de Wipeout, mais bien des boules sans des sciences. Oui, parce que c'est l'hiver qui approche. D'ailleurs, on salue la fille qui a texté, pas texté, qui a écrit sur Instagram à Jess qu'elle nous avait spoté au Vieux Port. Bonjour. Okay. Alors, je vous laisse parce que je vais prendre une photo. Ici, on vous présente, c'est ça nous appartient. C'est à moi, Marie-Kim et Jess. Exactement. Puis on s'est acheté ça récemment. Là, ça nous a coûté un petit 10$ chaque. Puis vraiment, on est très très contents. Qu'on pourrait faire, on pourrait se partir une chaîne. On pourrait se partir une chaîne les deux. Ouais. Faire genre, on pourrait appeler ça comme divorce. Fait que ça serait. Ça serait. Donc notre chaîne, ça pourrait être divorce. Ça serait une semaine, une semaine. Donc admettons, le samedi, Jess fera une vidéo et moi la semaine d'après, je ferai une vidéo. Non, c'est Marie-Kim, mais. Pardon, Marie-Kim fera une vidéo et moi la semaine d'après. Fait que ça serait comme. Si vous aimeriez ça, dites-le en commentaire. Puis si jamais vous êtes beaucoup à nous dire oui, on veut que vous fassiez ça, on va le faire. Les amis, aujourd'hui là, on est jeudi le 25 septembre. Dans 3 jours, je ne serai plus mineure. Elle va enfin avoir 18 ans. Oui. Dans 3 jours, c'est-à-dire dimanche le 28 septembre, j'aurai 18 ans. Je mettrai le vlog dimanche, fait que c'était les bonnes fêtes en bord de commentaires. Donc, je pourrai maintenant faire tout ce que mes amis de 18 ans font. Ça filme. Oh! Présentement, on a payé notre billet de stationnement pour sortir. Cependant, la machine ne le reconnaît pas. Fait qu'on donc, on est pris. On est pris devant la barrière. On a appelé quelqu'un s'en vient, mais. Je dois dire que la transmission a été très longue. Je pense que ça a pris au moins deux minutes avant. Regardez que... le bruit que ça fait quand je fais. Non, mais là, appuie pas. Oh, ok. Bip, bip, bip. Carte illisible. Ouais, exact. On peut pas sortir. On vient de payer 16$ là. 16$, puis on peut même pas sortir d'ici. Il y a pas de facture qui est sortie non plus? Non, je suis allée voir, il y avait rien. Bref. Peut-être qu'il. Mais parce que. On mettait ça dedans, puis là, ils l'ont aspiré, genre. Tu parlais? Mais non, pas tu parlais, tu payais. Puis là, ils l'ont ressorti, mais je pense que c'est le même. Moi, pour vrai, j'espère juste qu'il n'y a pas un doute qui va venir en arrière de nous là. Mais j'ai dit de reculer, je vais reculer, c'est tout. C'est tout. Donc c'est ça, on est pris ici. Je crois que c'est le bon endroit. C'est ça. C'est juste que les passages sont moins fréquents. Alors, nous continuons notre jeu. Donc, bienvenue à l'émission Je me colore sur le corps. Et nous allons poursuivre notre première aventure. On rappelle les points. Donc, Jessica est en rose. Marie-Kim, pardon. En rose. Et moi, je suis en bleu. Donc, il nous reste tous 8 couleurs. Ouais. On n'avait pas à savoir. Prochaine question. Oh my god, old school! Lequel de ces produits n'est pas un fromage québécois? La Savagine, El Nino,
le Mamirol ou quelque chose? Le Malmirol. Hey, t'as pas dit son nom? Jessica, le Malmirol. Oh oh, j'ai plus de batterie. Oh, oh non. Quel aliment? Mettez, disais bye au vlog, puis je vais la changer en arrière. Alors, ben, on est obligé de vous dire bye parce qu'il n'y a plus de batterie. Fait que. N'oubliez pas le vlog à Marc-Kim qu'on entreprendrait éventuellement. Là. Divorce. Puis, je vous aime! Sur ça, on va continuer notre jeu une autre fois. Je vous aime! Ben, attendez, regardez le point. Ben, c'est clair, j'ai perdu, j'en ai deux. Fait que c'est vous deux. Yeah! Bye! Bye, là! Ok, bye les amis, je vous aime également, comme Jessica vient de vous dire qu'elle vous aimait. Donc c'est bien dommage, on va mettre fin à la journée, mais le vlog. Cependant, préparez-vous car nous ferons bientôt d'autres vlogs en compagnie de Jessica l'Espérante. Parce que, ben, on aime beaucoup ça. Je sais pas si vous avez on aime beaucoup ça, s'inclure dans ces vlogs. Ok, bye!